Je vous ai laissé hier avec notre ami Marcel Proust et vous avez joué avec brio le jeu de la dictée à distance. Je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est un jour idéal pour vous annoncer que vous allez reprendre vos affaires d'écrivaines et d'écrivains. Oui, j'annonce aujourd'hui un nouvel exercice d'écriture. Je vous demanderai d'écrire la suite d'une histoire dont je vais vous lire le début. Vous trouverez le texte de ce début de récit dans le document de travail que je joindrai à ce cours audio. Vous le relirez plusieurs fois pour bien le comprendre. Vous pourrez aussi l'écouter plusieurs fois. Il s'agira d'une fiction réaliste. Vous allez imaginer des situations, imaginer des personnages. Votre histoire donnera l'impression que les situations qui s'y déroulent auraient pu se passer dans la vraie vie. Vous vous demandez certainement déjà combien de temps aurai-je pour terminer ce travail. Eh bien, je dis, prenez le temps de le composer. Ne vous pressez pas. Il n'y a aucune raison de se presser. Je ne place aucun délai autour de la remise des travaux. Souvenez-vous-en, je reçois chaque jour des messages d'élèves ou de parents inquiets d'être en retard dans le rendu des exercices. Non, il est déjà très difficile pour chacun de s'organiser dans ces jours si différents de l'ensemble de nos habitudes. Hors de la routine, je ne peux pas vous demander d'être extraordinairement ponctuel. L'important, c'est que vous puissiez travailler sereinement, dans le temps qui vous convient, avec les durées qui vous rendent dans les conditions de plus grande sérénité. Il est temps que je lise le début de ce texte avant de le commenter pour vous et d'en donner quelques éléments de consigne. Quel temps utiliser? Quelle personne utiliser? Quelle longueur? C'est toujours la grande question pour vous. Le récit se situera en une époque que l'on espère déjà tous avec impatience. Il se situera dans ce printemps que l'on mérite et qui viendra après le temps du confinement. Je lis ce début de récit. Soyez bien attentifs, posez-vous déjà quelques questions. Quels sont les éléments de ce récit que je comprends d'emblée? Quelles idées semblent déjà me venir? Et si cela ne me donne aucune idée, qu'est-ce que le récit met à ma disposition? Je n'ai pas mis de titre. C'était un jour de printemps extraordinaire. La fin du confinement avait été annoncée 3 jours auparavant et je reprenais le chemin du collège. Je ne marchais pas, je courais presque. La hâte, la grande hâte, la hâte de retrouver mes amis, la hâte de rigoler, pour tout et n'importe quoi. La hâte d'être bousculé dans les escaliers même, la hâte d'entendre « Mais calme-toi !» de la voix d'un professeur, dans la cour de récréation, une idée que j'avais eue, dans la cour de récréation, une idée que j'avais eue ces derniers jours, se confirma. Non, on ne vivait pas un simple retour à la normale. Entre élèves, entre amis, on se dévisageait, avec beaucoup d'intensité, avec considération, avec une espèce de soulagement aussi. Ouf ! Je croisais le chemin d'une personne que j'avais un jour détestée. Je ne me souviens plus trop quand, ni pourquoi, à vrai dire, et je lui lâchais un gros sourire, peut-être un peu bête. Et elle me le rendit, c'était fou. Et ça y est, on remontait en classe. Personne n'était en retard. Le professeur semblait radieux, lui aussi. Pendant le cours,
je ressentis l'impression que le professeur aurait pu nous parler de n'importe quoi, de sa vie, du régime alimentaire de son chien de traîneau, ou de que sais-je encore. On l'aurait écouté, sans se distraire. Oh, j'aimais ça. Tout le monde semblait plus impliqué dans la vie. C'était rassurant. Après le retentissement de la sonnerie, lorsque je sortis de la classe, au milieu de la petite foule, je sentis une pression contre la poche de ma veste. Je ne me retournai pas sur le moment. 5 minutes plus tard, dans le calme d'un autre cours, je retirai de ma poche un papier froissé. J'y lisais un message qui allait relancer de l'intrigue dans ma nouvelle vie. Ce message disait « J'hésitais à te le dire avant. J'hésite encore à te l'avouer maintenant, mais sache qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense beaucoup à toi, énormément, qui voudrait te parler, qui voudrait te connaître, qui ne sait même pas trop ce qu'il voudrait vraiment. Personne n'avait signé. Je ne pensais plus qu'à ce message, moi, et je ne savais plus quoi faire. Je vais vous demander, à la suite de cette introduction, d'imaginer une histoire d'amitié en vous inspirant de tout ce que l'on a lu depuis le début du chapitre, de tout ce que l'on a dit de l'amitié, de comment elle se raconte, à vous de jouer. Je vais donner quelques conseils. Une suite à cette introduction de récit. Comment allez-vous procéder? Et bien sûr, vous allez déjà identifier ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà appelé en classe, la situation d'énonciation. Qui parle dans ce texte? Qui est le narrateur? De quoi parle-t-il? Où l'action se situe-t-elle? Et quand? Quand vous aurez la maîtrise de tous ces éléments, vous serez plus serein pour affronter la question de l'imagination, de ce que vous allez mettre en place pour donner une suite cohérente à ce début de récit. Une suite cohérente, intéressante, qui joue avec l'intrigue que pose l'introduction que je vous ai lue pour que votre histoire, votre suite, intéresse le lecteur. C'est toujours la condition primordiale de la réussite de votre travail. Je ne m'inquiète pas du tout quant à la qualité des idées qui vont vous venir. Si vous avez des questions, et vous en aurez, j'en suis sûr, veuillez me les faire parvenir quand elles vous viennent en tête, par message, j'y répondrai le plus rapidement possible. Combien de lignes? C'est toujours la grande question. La question que vous me posez le plus souvent. Eh bien, je crois qu'il est possible d'attendre pour ce travail une bonne 40aine de lignes, à minima. Si vous voulez écrire plus, faites-le. Lâchez-vous, entre guillemets. Alors, je rappelle que je demande du réalisme. Ne faites pas intervenir, s'il vous plaît, des extraterrestres ou des reptiliens dans votre récit, subitement, sans aucune recherche de crédibilité. Le temps verbal que vous utiliserez dans la suite de votre récit est le même que celui que j'ai utilisé dans la composition de cette introduction. Respectez ces temps verbaux. Ne cassez pas la temporalité de l'histoire. Conservez le narrateur. Dans l'histoire que j'ai lue, le narrateur semble être un garçon. Il vous est tout à fait possible de changer cette condition et de faire apparaître une narratrice ou un autre type de narrateur, d'un autre genre. À vous de rester cohérent dans ces choix-là aussi. Vous pourrez écrire votre texte à la main. Vous pourrez l'écrire aussi à l'ordinateur. Choisissez la méthode qui convient le mieux à l'expression de vos idées. Maintenant que vous avez la consigne du travail d'écriture à venir, je voudrais vous donner 3 conseils d'écriture, 3 conseils aussi pour vous rassurer dans l'organisation, dans la composition de vos écrits. Le premier concerne
cette grande question de l'inspiration. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Monsieur, j'ai pas d'inspiration, j'arrive pas ». Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire d'inspiration ? Il ne faut pas en faire trop. On parle beaucoup d'inspiration, mais ça tient légèrement du mythe. Il n'y a pas, comme ça, d'idées qui descendent du ciel, qui rentrent dans notre tête et qui nous mettent à l'écriture. J'ai déjà parlé du mythe en cours, et si vous ne vous en souvenez pas, dites-vous qu'il y a un lien fort entre mythe et mytho, un terme que vous employez plus souvent. L'inspiration, ce n'est pas quelque chose de divin, je ne crois pas en tout cas. Et comment vous pouvez contrer ce que vous appelez le manque d'inspiration ? Concentrez-vous sur ce que l'introduction vous donne comme élément narratif. Vous avez beaucoup d'informations dans ce récit d'introduction. Et ils vont vous servir à mettre en place vos idées. Vous allez donner plus de consistance au narrateur ou à la narratrice de votre récit. Vous allez l'imaginer, fabriquer une image mentale de ce narrateur, de cette narratrice, et une image mentale de la situation, du contexte dans lequel il évolue. Vous allez vous imaginer en tant que narrateur ou que narratrice, vous allez vous imaginer dans une salle de classe, dans le collège. À partir de là, vous allez pouvoir vous concentrer sur les éléments nouveaux que vous allez devoir apporter à ce récit. L'intrigue, les péripéties, les nouvelles actions, le déroulé de l'histoire. C'est sur cela que vous allez vous concentrer, mais avant, vous aurez disposé sur votre feuille tous les éléments narratifs que vous donne l'introduction que je vous ai lu dans la première partie de ce cours audio. Pensez plutôt l'inspiration comme une espèce de tiroir, le tiroir qui renferme toutes les histoires que vous connaissez déjà, des livres que vous avez lus, des anecdotes que vous avez entendues de l'expérience de votre propre vie, dans votre mémoire. C'est plutôt ça l'inspiration. Deuxième conseil d'écriture, c'est une question de méthode, et c'est une question que l'on me pose parfois. Monsieur, avant de commencer à écrire, est-ce que je dois avoir déjà mon histoire en tête ? Eh bien, ça dépend. Il y a, je crois, au moins deux manières de concevoir et de composer votre récit. Certains n'arrivent pas, et ce n'est pas grave, à construire la séquence mentale de l'histoire qu'ils vont écrire. Ceux-là, souvent, auront besoin d'avoir écrit quelques mots sur leur feuille pour que la suite des idées vienne et pour que ça coule tout seul. On appelle cela écrire au fil de la plume. Ça marche très bien. C'est ma manière d'écrire, d'ailleurs. D'autres, au contraire, les hyper-organisés, sauront déjà exactement où ils vont au moment où ils vont écrire le premier mot de leur rédaction. C'est une autre manière de travailler. Et ça n'empêche pas, en cours d'écriture, d'amender, de modifier certaines idées que vous aviez déjà construites dans votre tête avant même de commencer d'entreprendre votre récit. Ce sont deux manières de travailler, les deux fonctionnent. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Troisième conseil de lecture, et je ferai simple. Puisque vous allez travailler à la maison, et pour vérifier la cohérence de votre travail, je vous invite fortement à lire votre texte fini avant de me l'envoyer à quelqu'un, quelqu'un parmi vos proches, quelqu'un qui sera près de vous, et qui, lorsqu'il écoutera votre texte, saura vous dire ensuite où ça coince dans votre récit. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Où sont les incohérences ? Les personnages sont-ils assez décrits ? Ont-ils assez de consistance pour qu'on puisse les imaginer mentalement ? Pour qu'on puisse construire une séquence mentale de votre histoire ? La revivre d'une certaine manière ? La relecture, c'est très important et ce sera une manière pour vous aussi de repérer quelques maladresses orthographiques ou syntaxiques, quelques problèmes dans la construction de vos phrases. C'est très important. Utilisez bien ces trois conseils. L'inspiration comme ensemble des connaissances dont vous disposez déjà. La méthode, dois-je écrire au fil de la plume ou dois-je tout organiser avant d'écrire le premier mot de mon histoire ? La relecture. Et là, oui, vous relisez votre texte à quelqu'un avant de me le rendre.
Je vous donne beaucoup de courage pour affronter les jours qui viennent, pour travailler aussi, pour vous organiser dans votre rédaction et pour trouver dans votre inspiration les meilleures idées qui soient. Beaucoup de courage, à tantôt.